Salut à tous, et aujourd'hui j'ai reçu ce truc là. Donc ce truc là c'est quoi? C'est un kit cylindre piston en aluminium avec tout ce qu'il faut pour refaire cette grosse tronçonneuse à béton. Donc celle là je l'ai récupérée, sauvée, enfin quelqu'un me l'a donnée. Donc elle a été sauvée d'une déchetterie. Donc c'est une style TS410. Voilà. Donc en bon état, hein, il y a tout dessus, le disque je ne l'ai pas mais j'ai un disque à béton qui va dessus. Donc ce problème c'est que la culasse en fait, donc la culasse qui fait un bout en cylindre, il n'y a pas de, elle se démonte pas en fait la culasse, elle est directement sur le cylindre. Le filetage a été foiré, ils ont mis un adaptateur sur la bougie pour agrandir le filetage, et là le filetage est refoiré. Donc le filetage est mort de chez mort, tu mets ta bougie comme ça, tu la retires comme tu veux, donc c'est t'as rien du tout. Hein, et puis, t'as pas de compression du tout, t'as plus la bougie là. Mais autrement, elle démarrait avant. Elle a été arrêtée parce que la culasse était morte, tout simplement. Bon alors, on va commencer par déballer ça. Enfin, déballer, je vais déjà déballer. J'ai enlevé tous les plastiques. Donc on a une bougie de merde. On a une bougie quand même. Je l'ai payé 50 balles le kit sur eBay. Donc on a deux joints. Je vois pas moteur, je vois je sais pas quoi. On a ainsi deux petits segments neufs et on a le bloc en alu. La culasse, le filetage se met là, le décompresseur et c'est en un bloc. C'est un montage un peu spécial. Le piston, c'est un 50 cm cube. Les deux joints spi, je suis pas sûr que je vais remplacer, parce que c'est même pas les mêmes en taille. Les petites bagues pour tenir le piston. La tige qui va entre deux qui tient piston bielle avec la petite bague. Un décompresseur tout neuf. Une crépine à essence toute neuve. Et une poire d'amorçage toute neuve. Allez, on démonte la style. Bon allez, on se reprend avec quelques caches retirées et un bloc moteur dans les mains et la base qui est par terre avec le réservoir. Bon, pourquoi j'ai pas filmé? Parce que ça m'a saoulé, j'ai une vis pour tenir le capot là dessus qui a cassé, donc ça m'a énervé, j'ai voulu la retirer, j'ai pris beaucoup de temps. Donc j'ai arrêté de filmer et du coup j'ai continué sans filmer parce que c'était vraiment chiant tout le reste. Bon, on espère que ça vient. Non, ça vient pas, on force pas. On prend le petit clip qui est des familles. Normalement ça vient. Tac. Pareil pour les quatre. Bon, un salon d'émotion. J'ai planté un torx plus gros dedans au marteau. J'ai planté de travers d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, au moins la vis est sortie, c'est ce qu'on veut, nous. On peut se la remettre, parce qu'après le but, moi j'en ai pas des nouvelles. Le but après, c'est vraiment de la remettre. Parce qu'en fait, le cylindre tient aussi les deux parties du bloc, avec vilebrequin, donc je vais les monter tout ça et je vais quand même changer les joints spi. Là, au point que j'en suis, bon, on la met de côté celle-là. Bon alors, c'est calaminé, il n'y a pas de rayures, c'est bien gras. Ouais, le piston, honnêtement, ça va. Bon, il est mort le piston quand même. Ah ouais, il est mort. Les segments, ouais, ça va encore. Ah non, ça va plus les segments, ils ont du jeu à mort. Et le vilo. Le vélo, ça va. Ça va être broquin. Bon. Et ben. On va démonter le piston. Nettoyer le plan de joint. Remettre un joint neuf. Et remettre le cylindre neuf. Bon, alors j'ai galéré à mettre des petits clips qui tiennent la base pour le piston.
Maintenant c'est bon, les deux clips sont bien enfoncés dans leur rainure. Et une gorge est assez bien mise dedans. T'inquiète pas. Maintenant on va mettre le nouveau joint. Nouveau joint. Donc, tu peux voir que les témoins, en fait, un petit machin qui n'est pas découpé et t'en as deux. Ça va être simplement sur le bloc. Non, sur la cuve là, j'ai dit sur le bloc. Là t'en as deux petits et là t'en as un grand. Donc le un grand il va être le grand. Et le deux petits avec les deux petits. Et côté échappement, là où on a mis la flèche. Donc le côté échappement. Need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. J'ai l'air fort, mais j'ai tout remonté dans hors caméra parce que les segments en fait je les avais montés à l'envers. Donc j'ai remonté le décompresseur, je l'ai serré, pas trop fort mais un petit peu quand même. J'ai serré les vis du bas donc qui tiennent la culasse. Je n'ai pas changé les joints spi parce que les joints spi c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes tailles en fait donc c'est pas les bons. Il y en a un qui va dessus et l'autre qui va pas dessus donc c'est pas la peine d'en changer un et pas l'autre. J'ai changé hier la poire d'amorçage. Donc j'ai un doute sur le sens des durites. Donc je verrai ça une fois que j'aurai tout remonté. J'ai remis les deux petits colliers pour la carburation. Il manque à remettre ça dans le bloc. Donc là ça va au filtre air en fait. L'air elle est aspirée par là. Avec les ailettes. Pour entendre les segments. Ça fait un petit bruit neuf en fait. Hein, tout simplement. On va aller faire un rodage. Donc ça va directement au filtre à air. Donc après filtre à air et carbu. Ça fait ça, toc. Le petit tuyau ici, c'est de l'huile. Alors je sais pas d'où va sortir cette huile, mais bon, voilà, c'est de l'huile. Vas-y comprendre. Bon, allez, on va remonter ça sur ces cylindres blocs. Cylindre bloc, c'est de la ferraille, hein, c'est-à-dire sort. Donc c'est très bien, pour ça, il n'y a pas de problème. Remettre la durite du bas, la durite du haut, les deux cylindres blocs là. Il y en a un autre qui traîne en bas là-bas. Et celui-là, ici. Allez, je te montre ça en accéléré.
Toc, donc j'ai fait mon mélange à 4%. Mon petit starter. On accéléré, on appuie sur le décompresseur. Allez. Elle a pété. Je mets en start. Bon. On met start. Bon, bah avec plein de tests, plein de bougies, plein d'essence, plein de tout ce que tu veux, des appels à qui tu veux, elle a voulu démarrer. Alors pourquoi? C'est tout simple. Quand j'ai monté, j'ai mis du dégrippant. Ce dégrippant que j'ai mis, il n'est pas inflammable. Donc bah, avec l'essence, ça prenait pas feu. Tout simplement, donc c'est du Leclerc, hein, marque Leclerc. Donc ça, c'est pas inflammable, donc du coup, ça prenait pas feu. Donc tu sèches tout avec de l'essence et du compresseur, et puis ça part direct. Voilà, bon, je te montre ça. Bon, elle est à peine chaude. J'ai juste fait tourner 3-4 tours et puis c'est tout. Autrement. Donc c'est nickel, ça marche parfaitement bien. Bon, on va mettre le disque à béton et enfin pas un béton, on dit ça depuis le début, mais non, c'est un disque à ferraille. On regarde pas la marque qu'on se tape, mais 3 mm d'épaisseur, 300 mm en là en diamètre. Donc voilà. On va voir les codes là. 3,8 tu vois en centimètres au niveau de disque. Et deux niveaux de l'alésage. Bon, on monte ça là-dessus et on fait tourner. Bon, allez, je te montre ça. On, décompresseur, clic, et on tire le tour. C'est juste les sortes de dégrippant là qui m'a bousillé, on va dire, une demi-heure. Bon, c'est pas grave. Pour moi, démarre bien, elle tourne bien. T'as vu que le disque il gonfle un petit peu quand t'accélères. Il se gondole, mais t'as vu, bon, c'est un disque à ferraille, hein. J'ai coupé du bois, mais faut pas trop. Faudra mettre un site circulaire dessus, voir si ça marche. Bon, ça fait exprès, faut juste accélérer doucement parce que bon, c'est pas fait pour se prendre on. Pour le démarrage à froid, donc t'appuies sur les deux et tu fais start ici en même temps. Faut tel starter le couvert position normale, moyen et démarrage 3 fois et la pompe d'amorçage.
tu pompes 4-5 fois, tu mets sur start, donc accélère, et tu mets. Tout en haut, décapette, pouf, tu baisses, elle va pas caler, elle va tourner à fond. T'appuies sur start pour revenir au 1, hein, la marche. Après, tu baisses ça et t'attends un petit peu qu'elle chauffe. Hein. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, abonne-toi. Et si tu t'abonnes, peut-être que tu auras des vidéos sur cette tronçonneuse à béton. Allez, à plus.